Monsieur le président de l'Assemblée nationale, cher Richard Ferrand, madame la députée, chère amie, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je tiens d'abord à formuler à toutes celles et ceux au prix de qui je n'ai pas eu l'occasion de le faire, eh bien, bonne année, meilleurs voeux pour cette année 2021. Je veux également vous dire tout le plaisir que j'ai à inaugurer ce colloque consacré aux métropoles résilientes et formuler mes plus chaleureux remerciements. À vous d'abord, Monsieur le Président, cher Richard, avec qui j'ai souvent eu l'occasion d'évoquer les sujets territoriaux, et vous en avez même fait un livre de ces sujets territoriaux, et qui nous ouvrait aujourd'hui les portes de l'Assemblée nationale pour échanger sur ce sujet si important pour l'avenir de notre pays et de nos concitoyens. À vous également, Madame la députée, chère Sandra Marceau, ainsi qu'au plan urbanisme, construction et architecture, PUCA, pour l'organisation de cet événement. Cette démarche et la qualité autant que la diversité de vos intervenants en témoignent, souligne l'importance de ces liens entre État, parlementaires, élus locaux, sociétés civiles et scientifiques pour comprendre les dynamiques de nos territoires et nous donner les moyens d'impulser les transitions nécessaires. Ce colloque est une très belle manière d'ouvrir un nouvel horizon de réflexion et d'action sur les métropoles et plus largement les interactions et les complémentarités entre les métropoles et les territoires qui les entourent. La décennie 2010 aura été, pour le meilleur comme pour le pire, celle d'une relation passionnée, excessive même, avec le fait métropolitain. Elle aura donné toute sa force à l'aphorisme de Pascal, selon lequel trop de distance et trop de proximité empêchent la vue. En un peu plus de 10 ans, les métropoles, moteurs de croissance et de compétitivité, ont vu leur existence et leur importance affirmées par une série de grandes lois, Grand Paris en 2010, MAPTAM en 2014 et plus encore NOTRe en 2015, une évolution destinée à toujours mieux les insérer dans la compétition économique mondiale. Puis, la décennie s'est achevée dans un climat de dénonciation des métropoles, parfois violent, dans le contexte d'une crise sanitaire inédite. Combien de commentaires sur le caractère invivable des métropoles, dont on aurait témoigné la fuite massive des habitants durant le confinement. Combien d'articles consacrés à la revanche des territoires, comme si la France était en situation de guerre froide territoriale, faisant désormais du localisme la solution à tous les problèmes. Ces dernières années, peu de sujets ont suscité autant de caricatures et de récupérations idéologiques ou politiques. Elles se sont traduites par des oppositions binaires et irréconciliables, comme autant d'idéologies sinistres de la séparation, où chacun est assigné à une identité définie par essence, pour reprendre les termes employés par l'historien Patrick Boucheron qui conclura ce colloque. Les métropoles gagnantes et les périphéries perdantes, le mondialisme béat et le localisme défensif, parfois non exempt d'arrière-pensée politique peu glorieuse. Je pense qu'il est temps de revenir donc à des échanges apaisés, nourris par les contributions des meilleurs chercheurs sur ce sujet, et la journée d'aujourd'hui, bien sûr, en est l'occasion. Car si les métropoles ne sont pas l'horizon indépassable de notre époque, elles sont avant tout le maillon d'une chaîne territoriale beaucoup plus large qui tisse des milliers de liens de complémentarité entre les territoires. Ce que France Urbaine nomme à juste titre, l'alliance des territoires qui solidarise dans notre pays.
À l'heure du déploiement du plan de relance, dont les deux piliers sont la transition écologique et la résilience, une large part de l'avenir de notre pays se joue dans la capacité des métropoles à organiser ces échanges et à accélérer partout les grandes transitions écologiques, économiques, sociales et numériques. Aussi, en introduction de vos travaux, je souhaite brièvement développer devant vous la place essentielle des métropoles dans la mise en œuvre des trois grands enjeux de notre époque, que sont aujourd'hui la cohésion, la transition écologique et la différenciation, et qui fondent la nouvelle donne territoriale que je défends au sein du gouvernement et qui a été, bien sûr, le souhait du président de la République. Nous devons tout d'abord affirmer le rôle central que jouent les métropoles en termes de cohésion, qui est véritablement le premier pilier de notre action en faveur des territoires. Par leur poids démographique et économique, les métropoles sont au cœur des relations de complémentarité, c'est-à-dire de coopération, de réciprocité, de solidarité, et ce, à toutes les échelles. À l'échelle nationale, elles contribuent plus que tout autre à la solidarité à travers les mécanismes de péréquation et de redistribution que Laurent Davezies avait notamment bien mis en valeur dans son ouvrage « La République et ses territoires ». À l'échelle locale, elle contribue à structurer les milliers de fils tendus, matériels comme immatériels, qui solidarisent les territoires. Les enjeux de cohésion, c'est aussi, à l'intérieur des métropoles, la relation entre les quartiers populaires, qui concentrent souvent les difficultés, et le reste du territoire. Les métropoles structurent également les relations avec les bassins de vie environnants, dans lesquels le nombre de nos concitoyens habite, mais avec des interactions constantes avec la métropole proche. Penser cette relation centre-périphérie pour qu'elle profite à tous est un véritable défi de cohésion territoriale. C'est aussi le développement des circuits courts et de l'économie circulaire, comme en témoigne la montée en puissance des PAT, les projets alimentaires territoriaux. C'est d'ailleurs pour mettre en œuvre la complémentarité et relever ce défi de la cohésion entre les territoires que le président de la République a souhaité créer un ministère des territoires que j'ai l'honneur de diriger. Un ministère qui incarne ces complémentarités avec l'arrivée cette année d'une ministre déléguée à la ville, Nadia Hay, d'un secrétaire d'État à la ruralité, Joël Giraud, et d'un secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O. Les métropoles sont également au cœur du second pilier de notre action, la lutte contre toutes les assignations à résidence, qu'elles soient économiques, sociales ou symboliques. Elles sont en effet les premières concernées par la politique de la ville, qui concentre, comme je le disais, la plus grande pauvreté. Le 29 janvier, un comité interministériel des villes, présidé par le Premier ministre, sera l'occasion d'évoquer l'accélération des projets de renouvellement urbain, ainsi que les initiatives prises dans le cadre du plan de relance, avec la mobilisation d'un milliard d'euros pour l'amélioration du cadre de vie et l'insertion professionnelle. Cette action en faveur des quartiers illustre d'ailleurs le fait que si l'égalité entre les territoires n'est pas une réalité, nous devons nous battre pied à pied pour garantir à chacun, territoire comme citoyen, les moyens de choisir son destin. Pour garantir, pour reprendre la belle formule de Bourdieu, l'accès universel aux conditions d'accès à l'universel. C'est pour cela que pour les QPV, mais aussi les ruralités, qui concentrent également trop souvent des fragilités, nous avons développé le programme France Services pour faire revenir les services publics auprès de ceux qui en ont le plus besoin. 1100 de ces structures ont d'ores et déjà été ouvertes. Il y en aura 2000 d'ici 2022. C'est aussi pour cela
que le président de la République a impulsé la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui porte d'ailleurs le programme France Service. Sa mission est claire: apporter à l'ensemble des territoires, de la plus grande métropole au plus petit territoire rural, l'ingénierie nécessaire et complémentaire, si elle existe déjà, au déploiement de ces projets au plus près de ces réalités et de ces besoins. C'est ce que j'appelle, vous le savez, le sur-mesure. La nouvelle donne territoriale sait aussi intégrer, voire réconcilier, dans chacune de nos actions, ces impératifs de cohésion avec la transition écologique, en pensant mieux toutes ces complémentarités. Sur ce sujet, les collectivités, et particulièrement les métropoles, du fait de leur capacité stratégique et de leur force de frappe, mènent des politiques innovantes et volontaristes, notamment pour organiser des projets de territoire intégrateurs à même de penser les liens entre développement économique, cohésion sociale et transition écologique. Il s'agit notamment d'organiser l'expansion urbaine tout en limitant son impact sur les espaces naturels et agricoles, de lutter également contre l'enclavement, notamment à travers le développement de réseaux de transport collectif. Je pense que beaucoup de tables rondes fourniront d'ailleurs de très beaux exemples de réalisation. Les métropoles ont d'ailleurs été une source d'inspiration dans une manière dont nous avons renouvelé notre logiciel d'action territoriale. Je pense particulièrement à ces programmes sur les territoires, impulsés par l'État, mais en prenant en compte les projets territoriaux, à commencer par Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain, qui ont pour objectif de revitaliser les centres-villes et de limiter l'étalement urbain, qui mobilise les complémentarités entre acteurs. J'annoncerai d'ailleurs le 15 février dans le Calvados les Petites Villes de Demain, lauréates du programme POPSU Territoire, qui bénéficieront de l'accompagnement d'un chercheur pour construire un tel projet. Le projet de loi Convention citoyenne pour le climat va d'ailleurs également nous permettre de faciliter l'action des collectivités dans leur lutte contre la pollution automobile, tout en augmentant l'ambition dans la lutte contre l'étalement urbain. Enfin, la différenciation territoriale est le dernier volet de notre action pour encourager et valoriser ces complémentarités territoriales. Là encore, dès 2017, le président de la République a fait de la différenciation le cap de son action en faveur des territoires, précisément pour faire primer l'action efficace sur le mécano institutionnel. Car le vieux rêve du jardin à la française, comme l'a dit à l'instant le président, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, s'est en effet heurté aux multiples dynamiques et échanges qui dépassent toujours les cadres institutionnels. Le mot frontière est un mot borgne. L'homme a deux yeux pour voir le monde, écrivait joliment Paul Éluard. Utilisons-les pour bien mesurer que dans un monde où les enjeux globaux et locaux s'articulent et s'entrechoquent chaque jour, la recherche du périmètre idéal, par essence introuvable, doit laisser la place à l'expression des liens qui se tissent naturellement et évidemment. C'est pour cela que les territoires doivent avoir les moyens d'être plus dynamique, plus élastique, notamment face aux grands défis identifiés ces derniers mois. Tous territoires qui ont d'ailleurs prouvé, depuis le début de la crise sanitaire, face à laquelle ils sont en première ligne, leur agilité et leur inventivité pour déployer des réponses appropriées aux problèmes posés localement. C'est pour cela que nous faisons en sorte de permettre l'adaptation des politiques publiques à la diversité des situations vécues. À travers d'abord des projets de loi, le projet de loi organique expérimentation, adopté à la quasi-unanimité par le Sénat le 3 novembre 2020, et je précise que c'est le texte du gouvernement qui a été adopté, et aujourd'hui un projet de loi qui s'appelle 4D,
ont ce même cap : donner l'opportunité et la liberté aux territoires d'expérimenter leur propre façon de mener des politiques publiques efficaces, notamment en renforçant des complémentarités. Cette dimension est également au cœur de la nouvelle démarche contractuelle entre l'État et les collectivités territoriales que nous mettons en œuvre avec les contrats de relance et de transition écologique. Dans les 6 prochains mois, avec ces nouveaux contrats intégrateurs, qui étaient, je le sais, très attendus par de nombreuses métropoles, nous avons une occasion historique pour, ensemble, donner une dimension pratique à la différenciation territoriale, en partant des stratégies définies par les acteurs locaux pour adapter les réponses de l'État à leurs besoins et leurs spécificités. D'y inscrire dans chaque contrat un volet de coopération interterritoriale en favorisant de manière souple le maximum de relations et de projets portés en commun par les acteurs métropolitains et leurs voisins dans une logique de réciprocité, en s'appuyant enfin sur un État accompagnateur qui rassemble l'ensemble de ses politiques publiques et mobilise ses services autour du préfet, délégué territorial de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Mesdames et messieurs, voilà en somme ce que je voulais vous dire ce matin. Tournons le dos à la rhétorique excessive et mensongère de la séparation, de la fragmentation, de l'opposition. C'est permanent et c'est fatigant. Ce n'est pas la réalité que je constate depuis plusieurs années à chacun de mes déplacements. Au contraire, je suis frappée à chaque fois, dans les métropoles comme dans les très petites communes, de ce que j'appelle l'intelligence des territoires, c'est-à-dire ce mélange d'inventivité, de complémentarité et de projets qui dessine un avenir plus solidaire et plus résilient pour notre pays. Dans ce chemin que nous inventons ensemble, les métropoles, dans leur diversité, ont évidemment un rôle majeur à jouer. Elles sont d'une certaine manière, les prémices interparaissent, plus grandes et plus fortes, mais au sein d'un même ensemble dont le destin est lié. Plus largement, et c'est ce qui est au cœur de notre action depuis 2017, et que nous allons continuer de faire, regardons le territoire tel qu'il est, non tel qu'il devrait être, donnons aux acteurs des moyens concrets pour s'ouvrir et construire des solutions originales. Privilégions, pour reprendre les mots de Jean-Marc Hoffner, à qui j'ai le plaisir de passer la parole, privilégions le faire sur l'être. Je vous remercie.